Je suis un peu plus de temps. Ah bon, il est en retard. Il y a solo. Ah, il y a un peu de colorant. Papa colonel Ngoma. Ah, ça m'a colonel. Bon kilo colonel. Vous colonel.
Papa colonel Ngoma, Bokilo colonel, colonel, journaliste bien de l'eau colonel. Colonel, Balek basala, fatigué, la soupe à paix, mais la paix matin, nous serons dans mon balek. Bon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. C'est ça. Les balanés à moi. Babi, papa Ngoma, Bokilo, colonel. Papa Nabiso. Mon mari est capable. Mon mari est capable, colonel. Oui. Nga mungo pe lilo na komi colonel. Alelo. Lilo colonel. Lilo tuwa colonel la lilo. Da lilo mse sa kuna kuni. Na kumbe atata mona pela tambo santo na na kumsa le mutsoni tsambe na baba si kyanga ntsa le mutsoni santo na na kumbe na pela tembe na le baka ni suko kumi tsa tata ntsambe me le reste atwe si ti hana la le tsa na kamba ga ga ki o kto sa na se tsa na se ba le ko ti le yo ta ai amo ya mo ni go solo a kombwane ai ba kosa ke minge dingo Makasi, et si elle bosse à papa. Il y a un peu de temps. On a voulu là, pour ça, on a ma bonne délire aussi là, mais on a la salle de grâce, il y a du tout, hein, pour réussir. On a mis ballon à caillé, ballon à caillé, on a mis ballon à caillé, on a jamais mis ballon à caillé. Maintenant, on dit, si il y a le bouquet, il nous a dit, comme on a dit, il y a aussi le pessis de la vie. Tant que tant que l'on a dit, 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 Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
Toi maintenant, Zobeta, ma belle.
Let him catch us. Merci. Et bien voilà, si vous êtes comme Awa, dans la salle des fêtes, Marilène, à Kitambo, dans Prince Kasavu, on a vu qu'en diagonale, il y a station ML, la station Ma Campagne. To yebongo pour un mariage coutumier, le colonel Red Kabouen, na maman bébé Ngoma, c'est-à-dire, ba Swahili, na ba yombe, ba zobalan. Koto babi jambo, koto babi, eh boué, où est-ce que vous bitez? Libala Bosembo, et ça qui toko mingi, mon colonel Red, mes respects. Mon colonel Red, maman colonel, bébé Ngoma. Et ça, là, moi, bien, ça a été fait. Les fêtes, pour moi, je suis en train de me faire un armée. Pour le colonel, je suis en train de me faire un colonel. Après ça, maman colonel, il peut être. Souka, merci à trop. Ambiance est gozalawa et ils allaient jusqu'à fatiguer. Dende to bandi boy tito kolemba boto bimi. Mon colonel Red Salobagi tito kolemba. Merci beaucoup et pas à maman Patricia Ngoma. Ozatenga nous représenter yo. Merci beaucoup et pas na yo. Merci maître Guy Swing Sylvestre. Yena kati ya Scandinavie. Jani Versace, maman ya Ngalutu. Merci et pas na yo. Jani Versace. Maman internationale Bipat, maman ya Obama, Tobo Sanité, Gloria na Victoria, évangéliste Mathieu Kala, motema ya papa Janora na Felin na Bosem no testadi toza awa na cadre ya fête ya li mariage coutumier ya colonel Red Kabouen na maman bébé Ngoma. Vraiment, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Ah, babi Mouyomba, solo azobala. Kintusuma bia le gobeta. Papa Moïse matuta gobeta. Mizigeza toko bina jusqu'à fatigue. Toko ba na fête na biso. Ngana koti.
Oh, this is the one.
maman Milolo. Il n'y a pas de maman ici ou quoi? Ah, donc, voilà, asseyez-vous, venez vous asseoir. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs et parents, l'orchestre La Profondeur du pasteur Moïse Matuta est un cadeau signé des jeunes sœurs de maman Florence Goma. Les jeunes sœurs ont dit Yaya, papa Lililo, on a rien à te donner. Sur le pécio champagne, nous avons déjà. Le pécio car, nous avons déjà. Le pécio l'opale, nous avons déjà. Mais nous allons te donner un cadeau spécial. Le cadeau, c'est quoi? C'est l'orchestre du pasteur Moïse Matuta. Comme je le disais tantôt, la plupart ne l'ont vu qu'à la télé. Et aujourd'hui, il est avec nous jusqu'à la fin de cette soirée. Il est là depuis 13 heures. Il a dit pour Maman Florence, je resterai. Nuit été, le couvre-feu, il sera avec nous jusque demain à 6 heures. Voilà, nous vous remercions beaucoup et remercions le pasteur Moïse avec toute son équipe, tous ces très beaux musiciens, aux voix très angéliques et lyriques. On a encore inentendu. Le pasteur m'a dit, mon frère, attendez, vous allez sentir, vous allez voir le Saint-Esprit descendre. Mais pendant que je vous parle, quand même, je vous dis, je sens que la force que j'avais au début n'est plus la même que j'ai maintenant. Je sens qu'il y a une force qui s'est ajoutée en moi. Et il y a d'autres gens qui m'ont dit, non, nous avons gardé cet esprit, mais ce que tu l'as eu, tu as jusqu'à la fin de cette soirée. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour le pasteur Moïse? Voilà. Et sans plus tarder, vu le couvre-feu, nous allons demander Maman Florence, elle est déjà prête? Maman Florence est prête? Voilà, nous remettons le micro au pasteur Moïse pour accueillir sous vos acclamations et restons toujours debout, nous tournons encore debout Maman Florence Goma Yeah.
on applaudit encore très fort. Très fort, on acclame très fort. Voilà, mesdames et messieurs, ça va chauffer aujourd'hui. Et ça chauffe déjà. Voilà, nous prions à messieurs, madame, arrête, Oscar, pouvoir à bien vouloir reprendre leur place. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voilà, mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt, ça va chauffer aujourd'hui. Malheureusement, le couvre-feu nous tient la corde au cou. Voilà, sans plus tarder, nous allons gagner le temps parce que le gérant me dit qu'il est déjà 20h moins, alors que d'ici là, c'est 22h, le couvre-feu, tout ça. Nous allons gagner en temps, nous allons accélérer les choses. C'est pourquoi, avant toute chose, merci. Comme vous le savez, la Bible nous dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est pourquoi en ce moment-ci, nous allons demander au pasteur Moïse de vouloir consacrer cette soirée entre les mains du Seigneur pour que nous puissions parfaitement et correctement passer cette soirée. Cher pasteur, voudriez-vous bénir le couple, bénir le repas, tout ce que nous sommes ici et tout ce temps que nous allons passer ici. Merci. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? Voilà. Est-ce que nous pouvons prier les mamans? Est-ce que nous pouvons prier? Ta maman, est-ce que tu veux qu'on s'en la zambé? Ma maman, est-ce que tu veux qu'on est là? Voilà. Pour parler de ce qu'on s'en la pâte aux hommes. Seigneur, on veut te dire un grand merci. Toi, l'initiateur du mariage, tu as permis aujourd'hui que notre papa, notre maman puisse dire dans ses liens, glorieux du mariage. Et nous voulons, Dieu, à cet effet de dire merci. De nous avoir réunis en ces lieux pour que nous puissions, Dieu, célébrer dans la joie ce mariage, ces moments précieux, Seigneur. Nous ne voulons rien faire sans ta présence, raison pour laquelle nous te prions, Père de gloire. C'est donc écrit, sans toi, nous ne pouvons rien, mais avec toi, nous ferons des exploits. Nous voulons que tu nous assistes comme Alpha, que tu chemines avec nous comme étant Emmanuel et que tu termines avec nous comme étant Omega, Seigneur. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de tous les détails de cette fête, du début jusqu'à la fin, Seigneur. Sauve-nous, ô Dieu, donne-nous la joie. Purifie en même temps le repas et purifie en même temps la boisson que nous allons prendre chacun, Seigneur. Garde-nous la paix sous ta présence. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur très fort. On acclame très fort pour notre Seigneur. Voilà, mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt, on ne va pas attendre beaucoup de temps pour la présentation. Nous presse avec la bénédiction du révérend pasteur Moïse et bien sûr votre accord. Voilà, donc, comme on le disait, nous allons brièvement présenter les heureux mariés. Je crois que nul n'ignore la raison pour laquelle nous sommes retrouvés ce soir ici. Ici, nous sommes retrouvés pour célébrer l'amour. L'amour qui est né entre le colonel Rett Oscar et madame Florence. C'est pourquoi nous allons devoir demander à monsieur Rett Oscar à bien vouloir se tenir debout pour qu'on le présente brièvement. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà, il s'appelle Red Oscar Camboin. Je crois qu'à travers ses noms, ceux qui connaissent l'histoire de l'RTC ont tout compris. Il est descendant direct de Moïse, l'un des grands empereurs, rois, qui ont colonisé la plupart des tribus en RTC, en Angola, en Namibie, jusqu'à l'Afrique du Sud. En Tanzanie, partout là-bas. Il est descendant direct. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Voilà. Il est descendant des Moïse, comme vous pouvez le comprendre naturellement. Il est dans l'ex-Grand Katanga, où il a fait toutes ses études, primaire, secondaire, universitaire. Et pendant que nous vous parlons, c'est lui, le commandant bataillon de PEM, que vous rencontrez partout au travers Kinshasa. C'est lui le patron. Voilà, nous faisons voir que à cause
mandat au grand quartier général. Donc, plus fort que ce que je pensais. On peut encore le plus fort. Donc, ne soyez pas surpris dans les deux jours qui viennent si vous apprenez à la télévision qu'il est devenu général. Parce qu'il est très compétent et tous ses soldats l'aiment beaucoup à cause non seulement de sa compétence, mais de sa foi en Jésus-Christ. On peut qu'on l'applaudir. Voilà. Merci beaucoup. Très cher colonel, veuillez vous asseoir. Nous étions habitués à voir en son temps des colonels trop vieux. Aujourd'hui, nous avons des colonels très compétents et trop jeunes. C'est le cas du colonel Red Oscar. Alors, nous passons rapidement à madame. Madame Red, peut vous tenir debout pour que l'on puisse vous acclamer. Merci beaucoup pour vos acclamations, vos ovations en faveur de madame Florence Goma. Elle est l'aînée de toutes les filles d'une très grande fratrie, Goma. Elle est l'aînée. Je crois que vous comprenez l'enthousiasme et la joie immense qui alimente cette soirée parce qu'elle est l'aînée d'une grande fratrie, Goma. Elle est née à Kinshasa ici. Après Kinshasa, elle est partie, comme vous le savez, dans l'ex-camp Katanga. Elle est née de qui? Elle est née d'un père aussi militaire, comme le colonel Rett, comme on le dit. Donc, Bandamambila, Basanangaka, donc, ils se rencontrent toujours. Son père Bila, elle aussi tombe sur un mari Bila. Voilà, son père, c'est papa colonel Goma. Papa colonel Goma, qui devrait être avec nous ce soir, malheureusement, il a eu un malaise, il n'a pas pu venir. Et il est valablement représenté aujourd'hui par l'honorable Lingo. Honorable, pouvez vous lever pour qu'on puisse vous voir et vous acclamer. Ah, il est là. Merci beaucoup. Et des mamans. Maman Albertine, tu es là? Lève-toi, maman Albertine, parce qu'on va dire de même. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais que vous puissiez acclamer très fort maman Albertine. Maman Albertine. Elle avait un très long périple, ça fait plus de 30 ans qu'elle est partie du Congo, elle réside à Luanda et ça fait quelques heures qu'elle est à Kinshasa. Ce qu'on fait, qu'on l'appelle très fort pour cette personne. Voilà. Merci. Vandalina et Bonga, parce qu'on les vit aussi le voyage. Voilà. Elle a fait ses études de primaire au site Bongissa et au site Mbashi. Ces études secondaires, après la chute du régime Mobutu, ils sont revenus à Kinshasa, d'où il a continué ses études humanitaires, après avoir son diplôme d'État, de Bongissa. Et, comme vous la voyez, femme dynamique, n'est pas restée comme ça, croisée, elle est partie à l'université de Kinshasa, la plus grande université d'Afrique centrale, c'est ça, où il a décroché son diplôme de licence en sciences politiques et administratives. On peut l'applaudir. Voilà. Dynamique, forte, puissante et habituée. Et aujourd'hui, ça fait pratiquement plus de 10 ans qu'elle a pu travailler pour la réforme des forces armées de la République démocratique du Congo, pour redonner la dignité à l'armée congolaise. Vous savez, elle est fille d'un colonel, elle est épouse d'un colonel. Quoi de plus normal que de s'investir pour que la nation soit réformée afin que son mari et son père ne puissent pas venir. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Et ils sont là aujourd'hui
Marie est épouse et nous avons de l'union. Je voudrais rappeler quelque chose de très important. Monsieur Rett, Oscar, Camoin, descendant direct de Montiaf, vient de l'extrême sud-est. Et Madame Florence vient de l'extrême ouest. Et les deux ont donné naissance à un très beau garçon. Tu peux venir, cher Jonathan. Voilà. Jojo, un beau garçon. On attend la naissance de l'enfant. Mais quand l'enfant naît, on voit, il est la copie conforme, certifiée conforme à son géniteur. Oui ou non? Certifiée conforme à son géniteur. On peut l'applaudir. Jonathan, c'est un petit, très beau garçon. Il est issu de ses deux parents-là. Tel que vous le voyez, d'ici là, vous allez le voir en train de jouer au violon. C'est un grand violoniste, il est formé par son oncle Cédric Ngoma, qui est juste là. Vous allez voir ses talents tout à l'heure là, c'est petit, c'est un grand violoniste. On peut l'applaudir. Merci. Voilà, merci. Avant tout ce soir. Vous savez quoi? Le bonheur est non. Et ce nom, c'est celui de Jésus. Il y a un peu, hein? De la direction informatique de l'état-major général de la République démocratique du Congo. Donc, les amis de la direction informatique MG, nous attendons. Voilà. MG. Le cadeau, le collègue, la direction informatique, la majorité générale, le conseil de la République.
Yeah.
attention, les bakoko, c'est déjà très dangereux. Ils ne se fatiguent jamais. Quand il faut donner l'argent ou les cadeaux, ils sont toujours là. Nous passons tous ici. Je prends des mots et tout est fini. Amis et connaissances, collègues, ensemble, je viens pour d'apprendre les jeunes sœurs. Des rois proches ont dit non, elles n'ont pas compris les cadeaux. Elles sont en train de venir. Voilà, nous accueillons les jeunes sœurs de Madame Florence avec les cadeaux. Surtout que le repas a déjà été béni par le pasteur Moïse pour le plus grand bonheur pour les arrosés. Cher heureux groupe, veuillez passer ici.
Sama
Thank you.
Pandemore, c'est le père.